Oh, attends, en fait, ça va être petit Pokémon Trainer là, à l'ancienne. Pokémon Trainer contre Inkling. Vas-y, y a pas de souci, chef, mets-toi bien. Mets-toi bien, mets-toi bien. Attends, moi, j'essaie juste de retrouver le bon perso. Trainer Pokémon. Pourquoi je le retrouve plus? Attendez, je vous laisse regarder le match du coup sans souci. Bon, je sais pas lire, excusez-moi, du coup j'ai pas trouvé Pokémon Trainer. J'ai pas trouvé Pokémon Trainer, mais attendez, pour l'instant on va regarder un peu la game. Qu'est-ce qui se passe? Lunk, 113%, plus d'encre, un peu à kill pourcent. Tekairo 63%, ça chill à max. Le upper qui va prendre la première stock, j'ai même pas vu comment il l'a fait. Petit taunt, en plus il est trop content, il vient de jouer à Tekken avec Gugu. Vraiment c'est Heroes format de heureux, Heroes format de imprévisible. Attention, le pro upper qui va pas encore tuer, le bouillard qui va pas encore passer. Ok, le side B pour dégager de cette phase davantage. Attention, le roller, ok. Ok, ok, faut pas écouter cette interaction, je pensais pas que ça fonctionnait. Hop, et là vraiment, c'est pour l'instant, c'est assez bizarre. Attends, le petit F smash parce qu'il t'a mis input. Oh, attention, attention, bonne phase. Attention, ouais. Upper, upper. Ok, dommage, dommage, ça a pas réussi à bien faire une bonne phase d'avantage. Du coup, Aerod, ça a pu la reverse avec un side B. Ah, pardon. Let's go. Oh, d'ailleurs, est-ce que ceux qui sont dans le chat, il y en a qui sont chauds pour faire une watch party du Genesis? En vrai, j'ai bien envie d'être en mode gros chômeur et. Attention, attention, Aerod, on rigole. Mais perds pas des stocks trop rapides, trop facilement. La même chose pour toi, Lunk. Tout doux, ça reste Aeros, surtout sur Charizard, parce que tous ses moves tuent littéralement. Sauf le diable et le Yon Hit, mais voilà. Ok, bonne phase, 66%, ça fait très très mal. Et là en plus c'est un peu compliqué pour Aeros, parce que déjà il est en retard de pourcentage. Ça reste Carapuce, je pense que c'est le meilleur perso contre Inkling. Enfin en tout cas, qui peut jouer autour des forces d'Inkling. Putain, mais ça a délai tellement longtemps dans le corner, c'est très bien joué de la part d'Aerod, ça c'est compliqué, faut savoir le faire et pas avoir peur de le faire, c'est surtout ça. Hop. Ok, là pour l'instant voilà, Lunk qui resserre un peu le jeu, mais Aerod qui a trouvé une petite phase à 37%, mais attention, on la reste quand même presque des à Bouya pourcent, je pense qu'il manque juste que quoi 3-4% et on est à Bouya pourcent, attention, non ça a pas encore tué. Ok, j'ai rien dit. Là faut voir s'il va swap sur Bowser. Et là non, le problème c'est parce que le problème c'est s'il swap sur Charizard, Lunk pourra encore rebouya. Alors que là il peut plus bouya. Voilà, il peut plus bouya. De pas grand chose, mais il peut plus bouya sur le F tilt. Attention, ça peut être tout frame. Ok, le nerf, ok, bien joué la tech. Le upper, bien vu, ça a un peu délai. C'était pas trop sûr de le faire sur la plateforme. Du coup ça a préféré atterrir pour s'assurer de faire du upper avec le lag du up B. Allez Doudou. Soyez pour l'instant Doudou qui gère pas mal sur le Dot Smash un peu trop ambigu là. Pas ambigu, qu'est-ce que je dis? Ambigu, qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, le Dot Smash qui a pas touché en tout cas. Vous êtes un héros pour Aeros. Attends, je vais un peu regarder le bracket parce que du coup moi j'ai rien du tout regardé là. J'ai ma manette, je peux jouer. J'ai le droit de jouer. Les mêmes persos. Hop, Pokémon Trainer, il semblait que ça avait bien marché. Du coup, il va le regarder. Hop, dresseur de Pokémon. Parfait, let's go. Et ça va en plus garder sur la même map. Ok, petite phase classique, voilà. Petit 35%.
Ouais, pour ça en plus c'est un match-up. En vrai c'est assez spécial. Je pense pour les deux persos, il y a. Vu que c'est un match-up qui se base surtout sur le mouvement, il n'y a pas vraiment de bonne solution entre guillemets. C'est plus des bons choix. Un petit bouillard encore qui va pas encore tuer, c'était bien bientôt mais ça fait des bons dégâts. Et là Erod qui fait une très bonne phase, attention le petit water jet. Ok, side B, up B qui va pas encore tuer, c'était pas le sweet spot. Attention, wow, Erod il voulait tellement faire ce B là, il voulait tellement tuer. Et là maintenant faut qu'il y ait l'un qui arrive à tuer. Attention la back throw, ok ça va être encore bon. Okay, non mais c'est très bien joué de la part de l'un qui délaie un maximum pour pas se faire tout frame par le derrière bizarre. Oh mais vraiment, oh, ce mouvement au corner c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, on voit que c'est un joueur de Samus hein. Ok bien vu, ouais justement l'un qui se pressait un peu trop. C'est compliqué dans ces situations parce qu'en même temps tu te dis ah, bon bah je peux tuer adversaire. Mais le côté en fait si tu te presses trop bah c'est toi qui vas mourir. Sur le back air, normalement il re-survit, y'a pas de soucis. Le petit flare blitz, ok. Donc ah, c'était bizarre l'option de l'un, le shield juste après le fer alors que le perso a rien de trop après. Je dis pas qu'il fallait faire un reverse, mais au moins partir quoi. Au moins partir. Hop, et là pour l'instant maintenant faut que l'un qu'il arrive. Faut que l'un qu'il arrive à tuer, ça va être compliqué parce que je sais même pas si le grab a toujours le Bouya. Oh tu vois, c'est quoi cette range de grab s'il n'arrive. Je sais pas s'il peut toujours Bouya. En plus de ça, Aeroth il est très. Il est très safe, il fait peur et pourtant il reste à la bonne distance. Vraiment c'est compliqué pour l'un qui est. Ça serait normal qu'il commence un peu à paniquer, mais faut pas, voilà. Hop, tu prends ton temps, tu trouves la bonne occasion et tu vas punir ce Neron Chill avec un smash. Là, je pense qu'un des problèmes de Lunk, c'est qu'il bouge pas assez, il est pas assez évasif, il force pas assez. Aeroth a tapé un peu partout. Du coup, bah Aeroth, il peut juste trouver ses coups sans problème. Voilà, je pense qu'il se presse un peu trop. Tu l'as vu, ça a pas panic air dodge, c'est bien joué de sa part. What the fuck, pourquoi ça pas touché? Ok, let's go, le multi-jab. Mais là, ok, là le match est assez bizarre pour ça avec l'un 2-3 à bon hits, mais c'est jamais convaincant, on va dire. Ouais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire dans le chat. Mais c'est des wins, mais il n'y a rien derrière. Que ça soit quand il touche l'adversaire, ou dans son idée, ou est-ce qu'il a envie de toucher l'adversaire, en fait, ça peut copier. Oh bien vu, Aeroth. C'est vraiment, ça manque d'une base solide entre guillemets. Ça rend même pas forcément d'un game plan solide, mais d'un fond plus solide en fait. Et voilà, et alors que Aeroth, lui, c'est plus ou moins tranquille, lui, il peut s'adapter. Alors que là, l'un qui est obligé de. Il est obligé de jouer. Entre guillemets. Ça rago sur SVF, mais là pour l'instant ça risque d'être. Ah, ça rago sur Battlefield, j'ai menti. Ouais, ouais, ça va pousse cul, chef. Attendez, je reprends un peu la game. Mais là, pour l'instant, voilà, comme la dernière fois, c'est compliqué pour Lung de faire des bons trucs parce que je pense qu'il n'y a pas quelque chose de concret vraiment dans son jeu.
Et c'est bien dommage. Je pense voilà, faut qu'il se presse un peu moins, qu'il ait moins envie de taper. C'est un peu un CSC hein, de ma part, on va pas se mentir, hein, parce que moi c'est mon gros problème aussi. Mais qu'il se focus plus sur le mouvement. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué de commenter parce qu'en fait il se passe pas grand chose. Donc comment dire grand homme si t'as rien à dire, bah dis rien en fait. Anthony, il a failli se péter la gueule. Ça aurait été trop marrant, je me serais moqué de lui. J'ai Jairoth.